Bonjour bien-aimés, bonsoir, que Dieu vous garde partout où vous êtes à ce moment. Nous sommes ici à Évry Bras de Fer, juste sur les plateformes de TV des Vies. Nous voudrons vous amener un message de la part du Père, de nos esprits, celui qui nous a créés tous. Nous sommes son peuple. Donc, nous voulons dire à toutes les personnes qui aiment Jésus, qui aiment son avenir, vraiment, qu'ils soient dans la joie, parce qu'il arrive bientôt et nous devons nous préparer. C'est pourquoi nous allons prendre, avant même de prendre ce texte, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci Père pour le temps que nous sommes arrivés, pour toutes les choses que nous voyons, parce que ça nous enseigne que tu es vraiment devant la porte. Nous devons nous préparer. Et prépare-nous, Seigneur Dieu, Papa, prépare nos cœurs, nos voix, Seigneur Dieu, prépare tout, Éternel Dieu, qui nous concerne. Que ton nom, Seigneur Dieu, soit béni, soit glorifié, parce que tu es Dieu, dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons prendre un texte dans le livre de Romains, au chapitre 8. Au chapitre 8, les versets 28. La Bible nous dit, je ne vais pas lire tous les textes, parce que c'est beaucoup, mais je vais prendre seulement un seul verset. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ici, nous voyons que Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le créateur des animaux, le créateur des cieux et la terre. Dieu est le créateur de tout ce qu'on peut voir dans notre planète Terre. Mais on nous dit ici que, or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu dans ce monde. Il y a des gens qui aiment peut-être la nourriture. Il y a d'autres qui aiment les femmes. Il y a d'autres qui aiment l'argent. Il y a plusieurs qui aiment beaucoup de choses qu'ils peuvent aimer. Mais il y a aussi un peuple qui aime Dieu. Et il dit, or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire quoi? Parce que des fois, nous lisons des versets, on les sort hors contexte. Maintenant, on se dit, on commence à se faire des idées là-dessus. Et pourtant, Dieu, dans son cœur, ce n'était même pas sa pensée. Et la pensée de Dieu, c'est quoi dans ces versets? Parce qu'il dit toutes les choses, et il y a plusieurs choses, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'habitude, quand nous prenons ce verset, nous voyons seulement qu'un seul côté. On voit seulement un seul côté. Mais le premier côté que nous allons voir de ces versets, c'est le côté qui nous fait du bien. Un côté qui nous fait du bien. Donc, toutes ces choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, la sanctification concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La sanctification concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La pureté, par exemple, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La crainte de Dieu concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La piété concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes œuvres concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est le côté que nous aimons tous. Les bénédictions concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes ces choses-là, c'est ça qu'on nous a montré souvent. Mais je vais vous montrer encore un autre côté. Ça, c'est le côté A, maintenant le côté B maintenant, que nous oublions souvent. Quand ça nous arrive, maintenant nous plairons. Vous voyez? Quand Dieu dit que je t'ai béni, tout le monde est content. Quand Dieu dit que je vais te faire cela, je vais te remplir par tel bien, je vais te donner telle chose, tout le monde est content. Il dit que, ah, Yahweh bien, Yahweh vraiment il m'aime, regarde ce que je n'avais pas, Yahweh me l'a donné, tel enfant qui n'était peut-être pas intelligent, Dieu a donné l'intelligence, tout le monde est content. Mais maintenant, l'autre côté que nous oublions, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a aussi des choses que Dieu permet lui-même, afin que ces choses-là, nous les vivons. Mais quand ça nous arrive, nous prenons directement Satan au mot. Non, c'est Satan qui a fait ça. Ce sont des démons, ce sont les gens de ma famille, parce que ce sont des amis, parce qu'ils n'aiment pas, ils ne veulent pas voir que je sois bien dans la vie. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Il y a des choses, nous les chrétiens de foi, nous voulons voir que des démons, nous voulons voir que des sorciers, nous voulons voir que des magiciens, nous voulons voir que des marabouts. Il y a des choses que Dieu le fait lui-même, il veut. Ces choses-là concourent au bien de ton appel.
concours ou bien de ton appel. Maintenant, ces choses-là, nous allons les citer parce que les côtés maintenant B, parce que les côtés A, j'ai essayé de survoler un peu. Je ne voulais pas citer beaucoup de versets, mais ce sont ces choses-là qui concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Et ceux qui aiment Yahweh aussi, il y a des choses aussi Dieu a permises pour que ces choses-là, nous les vivons. Nous allons prendre un texte rapidement dans le livre de Jean au chapitre 16. Je vais prendre rapidement Jean 16. Nous allons voir aussi, là on nous présente autre chose que ce que j'avais cité du côté A. Ici, la Bible nous dit, à partir du verset 33, c'est le dernier verset de ce livre, à partir du verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations. » Les chrétiens n'aiment pas entendre ces mots. Les chrétiens n'aiment pas entendre ces mots. Et quand tu lis les versets de Romains chapitre 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils voient seulement les côtés bénédiction, sanctification, des machins. Mais en réalité, il y a aussi un autre côté que Dieu a caché. Mais c'est écrit dans la Bible. Et les tribulations aussi concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Yahweh soit béni. Si tu n'as pas compris ça comme ça, aujourd'hui, comprends ça, bien-aimé. Ce sont des choses que nous allons vivre sur la terre. Nous sommes encore sur la terre, nous ne sommes pas encore enlevés. Les tribulations viendront. Les disciples l'ont vécu. Les Paul l'ont vécu. Ils ont vécu ça. Ils ont vu ça. Et ils ont rencontré dans leur chemin que le Seigneur les avait déjà dit. Mais dit, le Seigneur dit que soyez en paix. Nous devons être dans la paix, même si nous voyons toutes ces choses-là. La tribulation. Soit les tribulations viendront. Peut-être tu passes déjà dans les tribulations. Peut-être les enfants ne marchent pas. Peut-être chez toi, au travail, ça ne marche pas. Peut-être ta vie, tu es malade. Peut-être tu as beaucoup de choses que tu es en train de passer ces moments, à ce temps même. Mais toi, tu ne sais pas que c'est Dieu lui-même qui l'a permis. Ça concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Pierre a aimé Dieu, il a vécu les tribulations dans sa vie. Jean a aimé Dieu, ils ont vécu les tribulations. Ils ont vécu des miracles, des prodiges, des signes. Ils ont vécu beaucoup de choses, des guérisons. Mais aussi, il y avait un côté que Dieu avait caché pour nous. Mais c'est écrit dans la Bible que toutes ces choses aussi concourent au bien de ceux qui aiment Yahweh. Nous allons prendre la première chose que nous avons vue, c'est les tribulations aussi concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons prendre un autre texte dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je crois que vous connaissez ça. Vous lisez bien la Bible. Vous lisez aussi plus la Bible que moi. La livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ambitions du diable. Donc, il y a aussi des ambitions. Il y a aussi des ambitions du diable qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il y a des fois, il permet des choses pour nous former. Parce qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons déjà la vie éternelle avec nous et nous ne périrons plus. Mais vous allez voir sur notre chemin, il y a des ambitions. Vous allez dire quoi? Ce sont des démons? Non. Nous sommes dans un combat sur cette terre. Depuis que nous avons crié en Jésus-Christ de Nazareth, il y a des ambitions. Il y a des raies qui sont placées devant nous. Il y a des filets qui sont jetés des fois dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train, il y a des fois pour que nous soyons jugés aussi, que nous sommes des dieux. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car nous n'avons pas à lutter. Donc, il y a une lutte. Il y a une lutte. Ce n'est pas une vie que tu te mets sur ton canapé, tu regardes seulement la télé. Non, il y a une lutte. Nous luttons. Nous luttons, bien-aimés. Donc, la lutte sera dans nos vies. La lutte restera jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. C'est là où il y aura plus de lutte. Mais au moment où je vous parle là, nous sommes dans la lutte. Nous luttons parce que Dieu veut que nous luttons. Parce qu'il sait qu'il nous a déjà donné la vie par Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit aussi, quand nous luttons contre, pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Contre les principautés. Pourquoi Dieu choisit? Pourquoi il y a des choses comme ça? Le diable arrive avec beaucoup de choses comme ça. Parce que le Seigneur sait qu'il ne nous vaincra pas. Il a été déjà vaincu sur la croix de Golgotha. Donc nous ne devons pas avoir peur. Ces choses-là viendront.
Nous allons le vivre dans nos vies. Donc, il y en a beaucoup, je ne vais pas tout citer, il y en a plusieurs que nous allons vivre dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur. Mais ces choses-là concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14. Actes des Apôtres, au chapitre 14, le verset 22. Le verset 22. Paul répète la même chose que le Seigneur. Il dit dans le verset 22 du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, il dit « Fortifiant les âmes, parce que c'est lui qui fortifie les âmes par la parole, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer. » Donc même si vous voyez toutes ces choses-là, il y a des tribulations, il y a des embûches, il y a des filets, il y a des raies, il y a des maladies, il y a des combats, il y a des afflictions, il y a toutes ces genres de choses, mais persévérez dans le Seigneur. Ne baissez pas les bras, persévérez. Il dit, Paul encourage l'assemblée, il dit persévérez dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Devoir avoir la persévérance, les tribulations viendront, mais la persévérance qui va affronter tous ces combats, parce que nous sommes appelés à ça. Et la Bible dit, il continue, Paul continue dans le livre de Actes apôtre 14, le verset 22, il dit, que l'Église doit être fortifiée dans la foi, disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations. Ce n'est pas par une tribulation, mais ce n'est pas beaucoup de tribulations. Il continue, c'est pas, je répète encore, pas beaucoup de tribulations. Si on prêchait un évangile qui a seulement un seul côté, un côté qui dit seulement que non, nous serons sanctifiés, nous serons bénis, nous irons au ciel sans combat, c'est un faux évangile. Le vrai évangile prend les deux côtés, les côtés qui sont, qui donnent vraiment, qui réjouissent le cœur de l'homme et un autre côté qui nous amène à pleurer. Mais tous ces deux côtés concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul continue, il dit, disant ce que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans les royaumes de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit glorifié, soyez fortifiés et persévérez dans la prière, persévérez dans la foi et que Jésus-Christ est devant la porte. Préparons-nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen.